Amis auditrices, amis auditeurs de l'Université populaire de Marseille Métropole, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Bréqueville. Bernard Bréqueville est diplômé de l'École supérieure des géomètres et topographes. Il est aujourd'hui chargé de recrutement chez Médecins du Monde, après avoir été responsable opérationnel de plusieurs programmes dans différents pays du continent africain de 2009 à 2020. Il a rédigé le livre « L'humanitaire sous l'emprise du néolibéralisme » publié par les éditions Charles Léopold Meyer. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Pierre. Bertrand, vous avez une formation de géomètre, topographe. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans des associations humanitaires ? Alors, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, je suis géomètre topographe de formation, donc une formation technique à la base. C'est vrai qu'on peut se poser la question du lien entre une formation de géomètre et l'humanitaire. Très tôt, j'avais eu envie de mettre ma formation d'ingénieur au service des gens, au service des populations. Et donc, très vite, j'ai souhaité m'orienter vers l'humanitaire. Donc, j'étais encore à l'École supérieure des géomètres topographes, que j'avais déjà cette envie de rejoindre des ONG humanitaires. Et ma formation de technicien m'a permis d'entrer à Action contre la faim en 1999, où ma formation de géomètre m'a permis de travailler sur des programmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement en Albanie en 1999, où j'ai donc fait ma première mission avec Action contre la faim à cette époque. Ok. Alors, l'humanitaire sous l'emprise du néolibéralisme est votre premier livre. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Alors, ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre, c'est un petit peu les observations que j'ai pu faire sur le secteur humanitaire au cours de toutes ces années. Bon, maintenant, ça fait 23 ans que je travaille dans le secteur. Donc, j'ai pu voir la manière dont le secteur a évolué. Et c'est vrai qu'au cours des 20 dernières années, le secteur humanitaire a grandement évolué. Je sentais bien depuis quelques années que j'avais besoin de mettre un petit peu mes constats, mes impressions sur le papier. Donc, c'est un projet qui a pris le temps de mûrir. Ce projet, en fait, il est parti d'un constat. Je faisais le constat qu'aujourd'hui, le néolibéralisme étend son influence un petit peu sur tous les secteurs de la société, le secteur culturel, la santé, les services, et qu'en gros, il n'y a quasiment aucun secteur qui échappe à cette influence du néolibéralisme. Et donc, je suis parti du principe qu'il n'y avait aucune raison objective que l'humanitaire échappe miraculeusement à cette emprise du néolibéralisme. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser les questions suivantes. Est-ce que l'humanitaire, lui aussi, subit cette influence du néolibéralisme? Si oui, comment se manifeste-t-elle? Et y a-t-il des éléments spécifiques au secteur humanitaire qui expliqueraient qu'il soit davantage vulnérable que d'autres secteurs à cette influence du néolibéralisme? Quelle est l'histoire du sans-frontiérisme? Alors, le sans-frontiérisme, donc, c'est un mouvement qui remonte à la toute fin des années 1960 et au début des années 1970. Donc, à la fin des années 1960, donc, il y a le conflit au Biafra, au Nigeria, avec des volontaires de la Croix-Rouge française qui vont rentrer du Nigeria en contestant un petit peu ou en remettant en question le mode de fonctionnement du mouvement de la Croix-Rouge et contestant un petit peu la neutralité ou l'absence de dénonciation du mouvement de la Croix-Rouge. Donc, c'est le point de départ du sans-frontières.
frontiériste, donc on est à la toute fin des années 1960, et puis quelques années plus tard, donc Médecins sans frontières sera créé en 1971, et puis de là va vraiment démarrer le mouvement sans frontiériste, avec d'autres ONG qui seront créées quelques années plus tard, à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Qu'est-ce que c'est une organisation non gouvernementale? Alors, une organisation non gouvernementale, bon, je vais parler des organisations non gouvernementales humanitaires, donc des ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Action contre la faim, Handicap International, pour ne citer que celle-là. Donc, ce sont des ONG humanitaires issues du mouvement sans frontiériste et qui, voilà, mettre en œuvre leurs actions selon ce qu'on appelle les principes humanitaires, donc l'indépendance, l'impartialité, la neutralité et l'humanité. Et donc, ces ONG viennent en réponse aux besoins humanitaires sur différents terrains d'intervention, lors de crises humanitaires, catastrophes naturelles, guerres, conflits, déplacements de population, avec des modalités de mise en œuvre qui respectent les principes humanitaires que je viens de citer. Donc, en essayant de se démarquer des États et dans les contextes de conflits, bien sûr, en restant neutres et impartiaux vis-à-vis des différentes parties prenantes au conflit. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des liens entre les organisations non gouvernementales et les courants philosophiques et politiques? Oui, on peut dire ça, puisque durant les années 1970, donc ça a été la décennie de la montée en puissance du sans-frontiérisme, hein, qui a entré un petit, enfin, qui a pris son essor durant cette période et encore davantage durant les années 1980. Alors, ça a été porté par tout un mouvement, hein, le mouvement qu'on a appelé le mouvement des nouveaux philosophes. À l'époque, hein, dans les années 1970. Alors, dans l'histoire du sans-frontiérisme, je dirais qu'il y a un ouvrage extrêmement important qui a constitué une étape cruciale dans le développement du sans-frontiérisme et puis aussi du mouvement des nouveaux philosophes, hein. C'est l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn en 1974. Cet ouvrage va servir de base aux travaux des nouveaux philosophes. Donc principalement André Glucksmann et Bernard Henri Lévy, et qui vont faire de l'antitotalitarisme un petit peu le fer de lance d'un nouvel engagement philosophique, si je puis dire, en mettant au cœur de leur engagement la question de l'antitotalitarisme, des droits humains et de la démocratie. Et donc Glucksmann et BHL vont être moteurs dans ce sens-là. Et vont accompagner le développement du sans-frontiérisme. Bernard-Henri Lévy sera cofondateur d'Action contre la faim en 1979, et André Glucksmann sera un des compagnons de route aux côtés de Michel Foucault de Médecins du Monde en 1980. Donc oui, il y a effectivement un arrière-plan philosophique dans le développement du sans-frontiérisme. De ce que j'ai compris en lisant votre livre, vous expliquez que le sans-frontiérisme se développe en même temps que le néolibéralisme. Tout à fait. Donc effectivement, la décennie, hein, des années 1970 est également celle où le néolibéralisme va progressivement entrer dans sa phase hégémonique. Et c'est vrai qu'il y a une concomitance des deux phénomènes, voilà, que je n'attribue pas au hasard historique. Voilà, j'explique dans le livre que c'est vraiment l'environnement intellectuel de l'époque qui a permis cette rencontre. Et cette rencontre initiale, je pense, pèse beaucoup aujourd'hui dans l'influence subie par le secteur humanitaire du néolibéralisme.
Donc oui, il y a une concomitance entre les deux qui est importante. Et par rapport au néolibéralisme, si je peux développer un petit peu Bien ce point sûr. de vue. Donc voilà, j'expliquais un petit peu plus tôt, hein, que l'antitotalitarisme était un petit peu le fer de lance du mouvement sans frontiériste. Il s'avère que assez rapidement, donc cet antitotalitarisme, voilà, était aussi une forme d'anticommunisme qui ne disait pas tout à fait son nom. Bon, si on pense à Glucksmann, c'est vrai qu'il est quand même tombé dans une forme d'anticommunisme un peu pathologique après avoir rompu avec la gauche prolétarienne. Et donc effectivement, cet antitotalitarisme a pu prendre aussi la forme d'un anticommunisme et qui ensuite a pris également la forme d'un anti-tiers-mondisme. Voilà, que le tiers-mondisme a pu être vu à l'époque comme un avatar du communisme ou de la pensée marxiste-léniniste. Et c'est vrai que toute une partie du mouvement sans frontiériste à l'époque va se lancer dans une critique assez féroce et assez sévère du mouvement tiers-mondiste. Alors, peut-être rappeler ce qu'on entendait par tiers-mondisme à l'époque. Hein, donc, c'était un mouvement de pensée voilà, qui s'appuyait sur les pays du tiers-monde et qui remettait aussi en cause les conditions d'échange inégales qui pouvaient exister entre les pays du Nord et les pays du Sud, et qui remettaient un petit peu en cause les rapports d'exploitation qui pouvaient exister entre les pays du Nord et les pays dits du tiers-monde à l'époque. Ouais, j'ai le sentiment que c'est que les ONG, de manière générale, ont parfois tendance à avoir les mêmes comportements que toutes les organisations colonialistes que l'on a bien connues. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à être aussi catégorique que vous, mais en tout Ah, vous cas. vous souvenez des premières croisades, c'était pour aller apporter la bonne parole, mais en fait c'était pour aller piller les richesses des pays où les croisades débarquaient. Oui, effectivement, il y a ce parallèle éventuellement à faire avec les croisades. Par contre, pour revenir donc à cet anti-tiers-mondisme du mouvement sans frontiériste, je pense qu'il est important d'y revenir puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui, à mes yeux, a constitué une rupture entre les ONG donc, qui sont devenues ce qu'on a appelé maintenant les ONG humanitaires et puis les structures plus de développement inscrivant leurs actions dans le long terme, plus dans une approche de transformation sociale. Et effectivement, donc, il y a eu cette rupture au début des années 1980. Et cette rupture, elle est symbolisée par la Fondation Liberté sans frontières, qui avait été créée par Médecins sans frontières en 1984. Et cette fondation avait vraiment pris le leadership sur la critique de l'anti-tiers-mondisme, avec au début de l'année 1984 une conférence qui avait été organisée, rassemblant des intellectuels d'une droite néolibérale et très critique vis-à-vis du mouvement tiers-mondiste en général. Et j'analyse ce colloque de la Fondation Liberté sans frontières au début de l'année 1984 comme vraiment un événement qui a constitué une rupture, inscrivant les ONG humanitaires voilà, dans l'immédiateté, l'importance d'agir rapidement, l'urgence, et puis ringardisant en quelque sorte les structures issues du mouvement tiers-mondiste. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et expliquer la concurrence qui existe entre les différentes ONG? Concurrence parmi les ONG aujourd'hui, vous voulez dire ou Oui. oui, alors aujourd'hui, Hier et aujourd'hui, mais c'est surtout aujourd'hui, me oui, alors semble-t-il. oui, alors aujourd'hui, oui, il y a de la concurrence dans la mesure où effectivement, bon, chaque ONG humanitaire doit trouver les financements nécessaires à la mise en œuvre de ses programmes.
donc soit au travers de la collecte auprès du grand public, soit au travers de subventions des États, de l'Union européenne ou des collectivités locales. Donc effectivement, il y a une compétition hein, pour cette recherche de financement. Après, ça n'empêche pas forcément des collaborations et des coopérations sur le terrain. Et il arrive aujourd'hui voilà, que différentes ONG humanitaires mettent également en œuvre des projets en commun ou en consortium avec des financements communs. Ça arrive aussi. Vous voulez dire qu'il y a davantage d'ententes sur le terrain qu'il n'y a d'ententes au niveau des gouvernances? D'une certaine manière, oui, peut-être, oui. Pardon d'être taquin. Vous venez de parler des ressources nécessaires pour le financement de ces organisations. Globalement, quelles sont les ressources qui sont nécessaires et quels sont les financeurs? Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes à propos de la place que prennent ce qui maintenant s'appelle des fondations, qui ne seront plus des organisations, mais je pense notamment à la fondation Bill Gates ou à la fondation Google. Et je lisais récemment, ce sont des copains marseillais qui ont lancé un journal dont le titre est 1538 de Méditerranée et qui se vantait d'avoir été retenu dans le cadre du financement de la fondation Google. Je trouve qu'ils se sont achetés un collier qui, à un moment, va les empêcher de respirer. Alors, sur la question des financements, bon, je dirais il y a trois grandes sources de financement. Les subventions publiques, donc la subvention des États ou de l'Union européenne. L'Union européenne est aujourd'hui dans le monde l'un des principaux, si ce n'est le principal bailleur de fonds de l'aide humanitaire. Il y a la Au collecte niveau international. au niveau international, oui. D'accord. Il y a la collecte de fonds auprès du grand public, hein. Donc là, ce sont les appels aux dons qui peuvent exister de manière récurrente. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi le secteur privé lucratif ou les fondations, la philanthropie, voilà, qui commence aussi à être une source de financement plus ou moins importante. Alors, il y a encore de la marge hein, d'ici à ce que des fondations deviennent les principaux bailleurs de fonds des ONG humanitaires. Donc, si je prends l'exemple d'une ONG comme Médecins du Monde, voilà, ces sources de financement, donc secteur privé, fondation, doit représenter quelque chose comme 3% du budget global de l'association. Donc, ça reste relativement marginal. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance qui est vers plus d'influence du secteur privé lucratif, avec, comme vous l'avez signalé, un bon exemple, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, voilà, qui regorge de centaines de millions de dollars. Et ce qui est inquiétant avec cette fondation, au-delà des programmes d'ONG qu'elle peut financer, c'est surtout l'influence qu'elle a prise au fil des années dans le choix des politiques de gouvernement supposés souverains dans les pays en développement. Et son poids financier lui donne une influence considérable dans le choix des politiques. C'est notamment vrai dans le domaine de la santé. Donc, ça pose aussi des questions en termes de la place des gouvernements des pays concernés, ça pose la question de la souveraineté, ça pose la question de la démocratie, ça pose la question voilà, de la place des personnes concernées par les programmes. Donc c'est vrai que la place prise par les fondations et le philanthrocapitalisme voilà, pose effectivement pas mal de questions. Oui. Je m'étais intéressé il y a quelque temps, déjà c'était bien avant que je lise votre livre, je m'étais intéressé à la composition des conseils d'administration de plusieurs ONG et j'avais été particulièrement surpris d'y trouver grand nombre d'organisations culturelles qui donc étaient membres de ces conseils d'administration, donc qui participaient aux décisions à la fois politiques, à la fois humanitaires et aussi aux activités financières.
Oui, alors là sur ce point, j'ai pas de d'informations particulières sur la présence d'organisations culturelles dans les conseils d'administration des grandes ONG. En tout cas, pour ce qui est des grandes ONG françaises, les membres des conseils d'administration sont généralement des personnes physiques, hein, issues du secteur, hein, ou ayant une connaissance du secteur. Voilà, en tout cas, parmi les ONG que je connais, je n'ai pas connaissance de présence d'acteurs cultuels au sein de leur conseil d'administration. Bon, si je retrouve mes notes, je vous les enverrai. S'il vous plaît. Comment les ONG, et là vous êtes directement concernés, recrutent leur personnel permanent et leurs bénévoles? Alors, donc pour le recrutement des personnels permanents, donc il faut distinguer les recrutements donc pour les actions de terrain. Et quand je parle de terrain pour une ONG comme Médecins du Monde, par exemple, ce sont les terrains à l'international, mais également les terrains en France, puisque une ONG comme Médecins du Monde a cette particularité également d'avoir des programmes en France. Et puis, il y a également les recrutements pour le personnel qui travaille au siège, donc sur les services d'appui et d'accompagnement au niveau du siège. Donc, pour chaque poste, il y a un profil de poste qui est préparé voilà, en fonction des besoins identifiés sur le terrain avec les personnes opérationnelles en charge des programmes. Donc un profil de poste qui détaille un petit peu le contenu du poste, le type de profil qui est recherché, le niveau d'expérience, et puis ensuite ben, l'offre est diffusée sur différents sites, et puis s'enclenche un processus de recrutement avec différents entretiens. Il peut y avoir jusqu'à 2 ou 3 entretiens en fonction des postes qui sont à pourvoir. Voilà. En sachant que sur les missions à l'international, chaque mission est autonome sur ses recrutements, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les missions à l'international fonctionnent essentiellement avec du personnel recruté localement. Donc, effectivement, il y a quelques, qu'on appelle les fameux expatriés, hein, le personnel international, mais qui sont une minorité par rapport au personnel recruté localement. Et là, la grosse partie, l'essentiel des programmes des ONG humanitaires tournent et fonctionnent grâce au personnel recruté localement. Pour ce qui est du recrutement des bénévoles, donc, si je prends l'exemple de Médecins du Monde, il y a des bénévoles au niveau des interventions en France, donc avec des délégations qui sont présentes dans les régions, et chaque délégation a la main en quelque sorte sur le recrutement de ces bénévoles. Bien sûr, chaque bénévole s'engageant à respecter les principes d'action de l'organisation, la charte du bénévole. Et ensuite, il y a voilà, un accompagnement, éventuellement des formations qui sont proposées aux bénévoles qui sont recrutés. Lorsque on va parler de Médecins du Monde, parce que c'est l'ONG que vous connaissez le mieux, lorsque vous organisez des actions sur le terrain, est-ce que les populations sont associées aux actions que vous menez dans l'organisation, dans le choix des actions, ou bien est-ce que vous les considérez uniquement comme des consommateurs, pardon du terme? Alors non, nous ne considérons pas les personnes concernées comme des consommateurs. Nous essayons autant que possible de les associer, de les impliquer dans le programme, et ce, aux différentes phases du programme, hein, que ce soit l'évaluation, le diagnostic initial, ensuite la mise en œuvre proprement dite, et ensuite l'évaluation finale du projet. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident. Ça implique de mettre en place des mécanismes, des méthodologies, des outils adaptés pour s'assurer de la réelle implication des personnes concernées. C'est vrai aussi que c'est plus facile sur certains programmes que sur d'autres. Et c'est vrai que certains programmes se distinguent tout particulièrement par une implication plus marquée des personnes concernées. Je pense notamment
par exemple au programme de réduction des risques, voilà, auprès des personnes usagères de drogue, par exemple, qui, voilà, qui constitue vraiment l'ADN, en quelque sorte, des programmes de réduction des risques, avec l'importance accordée à la place des personnes usagères. Quel est l'accueil qui est réservé à vos activités, à la fois des politiques et aussi des populations? Est-ce qu'elles vous considèrent comme des intrus ou au contraire comme des sauveurs? Alors, c'est peut-être entre les deux. Alors, des sauveurs, je ne sais pas. Des intrus, je ne pense pas que nous soyons vus comme des intrus. Ce qui est important, voilà, vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis des gouvernements, c'est de parvenir à se faire accepter par les populations et par les personnes concernées. Alors, ça demande du temps, hein, ça implique que les populations nous connaissent, apprennent à nous connaître, que les ONG également apprennent à connaître les populations, leurs coutumes, leur culture, notamment pour essayer d'avoir des programmes qui soient aussi adaptés, hein, aux déterminants socioculturels et à la culture des populations. Donc tout ça prend du temps, ça implique de construire une relation de confiance qui ne peut se faire que sur la durée. Pour ce qui est des gouvernements, bon, bah, effectivement, il y a parfois des situations où on peut être mis en, pas en difficulté, mais où les gouvernements sont plus ou moins intrusifs, posent pas mal de questions, ou voilà, veulent peser de leur poids dans le choix des programmes et dans les orientations des programmes. Et c'est normal que les gouvernements aient leur mot à dire. Après, voilà, il faut trouver le juste équilibre entre ce qui est bon pour les populations, les volontés, les désirata et les contraintes des gouvernements, et puis les contraintes de l'ONG avec son mode d'action, et puis les principes humanitaires qui sont vraiment au cœur de l'action et que nous essayons de respecter, et puis aussi les contraintes, hein, qui nous sont imposées par les bailleurs de fonds en termes de rapportage, d'indicateurs. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver entre ces différentes composantes, je dirais. Ah oui, ça c'est impressionnant. Donc les bailleurs de fonds vous demandent, si j'ai bien compris, au moins du reporting Ah oui. et aussi des résultats. Alors oui, alors, du reporting, ça c'est sûr, hein. Il y a au moins un rapport final à la fin du programme. Sur les programmes d'assez longue durée, il peut également y avoir des rapports intermédiaires tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc oui, il y a un reporting assez lourd, et certains bailleurs de fonds sont assez exigeants en termes de format et de qualité du rapport. Et puis il y a également oui, une attente de résultats, avec pour chaque action proposée, un résultat qui est identifié en phase de l'action, et pour chaque résultat, le choix d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs qui permettent d'apprécier ou non l'atteinte du résultat. Donc effectivement, tout ça, cette tendance, hein, à la bureaucratisation, je dirais, ça tend à complexifier aussi le travail des ONG sur le terrain. Et à augmenter le coût de fonctionnement. Et possiblement à augmenter le coût de fonctionnement, puisque effectivement, après, voilà, il faut des ressources, des personnes ressources pour assurer tout ce travail de reporting, tout ce travail de mesure et d'analyse des indicateurs. En amont des programmes, il y a également des demandes de subventions qui sont à rédiger, à préparer, sous des formats qui sont parfois très lourds et très complexes. Et c'est vrai que ce travail d'écriture des demandes de financement n'est pas pris en compte dans le coût total du projet, mais je pense qu'à la fin de la journée, toutes les ONG qui écrivent ces demandes de subvention et qui écrivent ces rapports, effectivement, ça génère des coûts voilà, qu'il serait intéressant de chiffrer, je pense. Oui. Alors, tout à fait autre chose. Donc,
lorsque je me suis intéressé aux activités des organisations gouvernementales, je n'ai pas identifié de structures qui s'intéressent tout particulièrement à la culture. C'est-à-dire que les ONG s'occupent de santé, de pollution, de conflits, mais je n'ai pas trouvé cette activité. Et moi, je considère que la culture, ben, ça fait partie aussi des besoins des populations. Je ne parlais pas d'éducation, d'apprentissage scolaire, hein, c'est pas ça, mais vraiment de culture. Oui, alors il y a sûrement moins d'acteurs que dans les domaines de la santé, de l'aide alimentaire, de la nutrition ou de l'eau et de l'assainissement. C'est vrai que le cœur de métier des ONG humanitaires, c'est avant tout de répondre aux besoins vitaux, hein, donc le logement, la santé, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'assainissement. Donc, il y a des ONG de santé, il y a des ONG plus spécialisées dans la sécurité alimentaire, dans l'alimentation ou dans la nutrition. C'est vrai que la culture ne fait pas proprement parler partie du mandat humanitaire, bon, ce qui n'empêche pas que sur le terrain, il puisse y avoir des plus petites structures voilà, qui travaillent dans ce domaine-là. Bon, je pense par exemple à une association comme Bibliothèque sans frontières qui peut être un bon exemple. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quels sont les modes de gouvernance des ONG? Enfin, plus précisément, Médecins du Monde, parce que c'est l'association, l'organisation que vous connaissez le mieux, mais si vous connaissez d'autres organisations, n'hésitez pas à en parler. Alors, le mode de gouvernance pour les ONG humanitaires. Alors, donc il y a donc toutes ou quasiment toutes hein, ont le statut d'association loi 1901, donc avec l'organe de l'Assemblée générale qui se réunit tous les ans et qui élit tous les ans ou qui renouvelle tous les ans une partie du conseil d'administration. Donc, qui est composé, bon, ça dépend des ONG, mais alors, environ 15-20 personnes. Et ce conseil d'administration est chargé de donner les grandes orientations de l'organisation, de voter les budgets annuels. Et puis ensuite, une fois que les grandes orientations sont données, voilà, c'est la structure salariée qui est en charge de mettre en œuvre les orientations décidées par le conseil d'administration. Et puis ensuite, en fonction des ONG, il y a plus ou moins de subsidiarité et plus ou moins de marge de manœuvre qui est accordée aux missions sur le terrain. Donc voilà, on a encore malgré tout un mode de fonctionnement assez pyramidal au sein des ONG humanitaires. Et c'est vrai que c'est sûrement un axe d'amélioration ou quelque chose qu'il faudrait travailler dans les années à venir, puisque ce mode d'action pyramidal, bah, voilà, complique un petit peu l'implication des personnes concernées à la base dont nous parlions un petit peu plus tôt. Et c'est vrai que les ONG humanitaires n'ont pas encore les mécanismes pour permettre voilà, une vraie implication des personnes concernées dans les instances de décision de l'organisation. Bon, les membres des conseils d'administration des ONG humanitaires françaises, bon, je ne vais pas vous décrire dans le détail la sociologie des conseils d'administration, mais voilà, il y a encore très peu ou trop peu de personnes directement concernées par les programmes qui siègent au conseil d'administration des ONG en question. À proposer des formations à la gouvernance coopérative. Par exemple. Non, moi, je trouve toujours dommage que les acteurs de terrain ne soient pas associés aux prises de décision. Alors, elles le sont, ou elles peuvent l'être au niveau des programmes proprement dit, donc vraiment au niveau local, au niveau programmatique.
Après, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de marge avant qu'elle soit impliquée dans les prises de décision qui ont un réel impact sur les orientations stratégiques prises par l'organisation. Ça, c'est vrai que pour l'instant, ça manque encore. Tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler des principes Oui. fondateurs de ces organisations non gouvernementales. J'aimerais bien que vous les développiez davantage. Alors, donc, ils sont au nombre de quatre, hein, donc l'indépendance, la neutralité, l'impartialité et l'humanité. Donc, ce sont des principes adoptés par les grandes ONG humanitaires, des principes qui ont été repris hein, du mouvement international de la Croix-Rouge et qui sont censés donner le cap des actions humanitaires et pour les puristes ou pour les plus dogmatiques, je dirais, voilà, une action qui ne respecterait pas ces principes ne pourrait pas être qualifiée d'action humanitaire en tant que telle. Donc ça, c'est pour les plus dogmatiques, hein. Donc il y a le principe d'indépendance. Par lequel les ONG sont censées pouvoir mener leurs actions en toute indépendance vis-à-vis des États, des pouvoirs publics ou de toute autre structure. Il y a le principe de la neutralité qui s'applique notamment dans le cadre des conflits armés, principe selon lequel les ONG humanitaires s'interdisent d'avoir un avis sur tel ou tel conflit en cours ou de prendre parti pour tel ou tel acteur du conflit. Alors après, il peut arriver que ce principe de neutralité soit étendu à n'importe quel sujet, y compris des sujets qui n'ont pas de rapport direct avec des conflits armés. Donc, il peut y avoir des ONG humanitaires qui s'interdisent au nom du principe de neutralité d'avoir des avis sur les grandes questions qui traversent l'agenda humanitaire. On a le principe d'impartialité par lequel les ONG humanitaires considère qu'une victime est une victime, quelle que soit son origine sociale, son sexe, ses croyances. Voilà, c'est également avec ce principe d'impartialité, donc on ne prend pas parti vis-à-vis de telle ou telle partie prenante au conflit. Et puis le principe d'humanité, voilà, dans lequel les ONG humanitaires considèrent la victime comme un être humain avant tout, donc avec le respect de la dignité qu'on est en devoir d'accorder à chaque personne humaine. Donc voilà un petit peu rapidement résumé les principes humanitaires. Alors, ils sont très importants dans le secteur humanitaire. Ils ont été déterminants à une époque. Ils ont été moteurs, je dirais, dans la construction d'une doctrine humanitaire. Après, c'est un petit peu ce que j'explique dans le livre, hein. Ils sont aussi parfois un petit peu bloquant et empêche peut-être les ONG humanitaires de se poser toutes les questions, en tout cas se poser les questions qu'il faudrait se poser vis-à-vis du système dans lequel nous vivons, vis-à-vis des conflits. Et c'est vrai autant durant les années 70, quand le mouvement sans frontiériste a émergé, autant ces principes avaient leur importance, car ils ont permis à la doctrine humanitaire de s'affermir. Autant aujourd'hui, on peut se demander dans quelle mesure ils ne sont pas devenus un facteur d'inertie, voilà, qui empêche les ONG humanitaires éventuellement de se remettre en question. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, si je prends l'exemple de la neutralité, par exemple, au nom de ce principe, certaines ONG peuvent s'empêcher d'avoir un avis ou d'élaborer un avis sur des questions importantes qui peuvent concerner directement ou indirectement l'agenda humanitaire. On pourrait mettre en avant ce principe de neutralité éventuellement.
pour s'empêcher ou s'interdire d'avoir un avis sur les OGM ou sur l'accaparement des terres agricoles ou sur le droit des paysans à produire leurs propres semences. Au nom de ce principe de neutralité, on s'empêche d'avoir un avis sur certaines politiques gouvernementales, que ce soit la France, l'Union européenne. Donc, ça peut être les politiques migratoires ou les politiques agricoles. Et c'est vrai que du coup, voilà, on peut avoir parfois le sentiment que les ONG se réfugient un petit peu derrière ces principes pour éviter d'avoir à se poser certaines questions, ou en tout cas pour éviter d'avoir à y répondre. À y répondre. Non, si j'ai bien compris, les ONG voudraient bien trouver une réelle liberté d'action, et en même temps, elles n'y sont pas très, très volontaires. Liberté d'action, oui, je pense que les ONG humanitaires sont attachées à leur indépendance et à leur liberté d'action. Et ça, je pense que c'est très profondément ancré dans leur ADN fondateur du sans-frontiérisme. Après, cette liberté d'action, elle est aussi toute relative, puisque, bon, alors pas toutes, hein, mais la plupart des ONG humanitaires sont quand même très dépendantes des financements publics, donc avec les contraintes que ça peut générer. Et puis oui, il faut aussi voilà composer avec les États, avec les gouvernements, avec leurs contraintes. Et c'est vrai que voilà, les ONG humanitaires peuvent parfois être confrontées à des choix difficiles et qu'il n'est pas toujours simple de remettre en cause ou de questionner telle ou telle politique. Ben, c'est celui qui paie qui choisit l'orchestre. On peut dire ça comme ça, effectivement, oui. Donc, ça existe aussi dans le cadre humanitaire. Tout Mais, à fait. ben, donc, il y a eu cette multiplication des ONG. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une organisation internationale, je pense par exemple à l'ONU, qui pourrait être le pilote de toutes les actions humanitaires? Alors, ce serait compliqué à envisager, puisque ça impliquerait de revisiter toute l'architecture, hein, du système humanitaire. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'organisation internationale. C'est le vide qui crée les opportunités, hein. Donc, comme il y avait un vide, ben plein d'ONG se sont constituées. Oui, alors après sur le terrain, il y a des mécanismes, hein, de coordination qui existent. Donc là, je parle du terrain à l'international, hein, il y a des mécanismes de coordination qui existent, qui sont chapeautés par des agences onusiennes avec l'intervention de telle ou telle ONG humanitaire. Et donc c'est le mécanisme qu'on appelle les clusters, hein, voilà, c'est le terme utilisé. Donc il y a un cluster pour chaque grand domaine d'intervention. Donc il y a un cluster pour la santé, un cluster pour l'eau et l'assainissement, un cluster pour l'alimentation, etc. Et voilà, chacun de ces clusters au niveau des missions voilà, est chapeauté par une agence onusienne avec régulièrement l'intervention de telle ou telle ONG humanitaire. Voilà, mais ça reste une coordination au niveau purement programmatique, je dirais. C'est vrai qu'il n'y a pas de mécanisme de coordination à un niveau plus global et peut-être faudrait-il l'envisager, je ne sais pas, mais voilà, après ça poserait la question de la gouvernance de ce mécanisme et puis de l'autonomie que chaque ONG pourrait conserver à l'intérieur d'un tel mécanisme. D'après vous, est-ce que les actions des ONG sont encore reconnues par les citoyens? Bon, je ne dis pas les citoyens bénéficiaires, hein, mais. Oui, je pense que l'action des ONG est encore reconnue par les citoyens. Je pense que les ONG humanitaires bénéficient encore d'un capital sympathie important, puisque bon, voilà, je pense que les gens se rendent bien compte que nous sommes
très présents sur le terrain, nous allons au-devant des problèmes. Donc, je pense que voilà, on a encore un capital sympathie assez important. Après, voilà, il faut faire attention à préserver ce capital sympathie. Voilà, obtenir le plus de soutien possible des citoyens. Et je pense que ça passe aussi peut-être par voilà, un affermissement de certaines positions politiques. Voilà, je pense qu'il y a aussi une attente des citoyens vis-à-vis des ONG. Voilà, les ONG humanitaires, hein, voilà, quand on met bout à bout leur poids financier, leur poids humain, puisque bon, c'est voilà, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de salariés, d'employés dans le monde, le poids réputationnel, voilà, les ONG humanitaires aujourd'hui ont un poids important. Et ce point important devrait, à mes yeux, leur donner une responsabilité importante. Et je pense voilà, y a des attentes des citoyens pour que les ONG humanitaires soient peut-être un petit peu plus combatives face au système néolibéral. Mais justement, la quatrième de couverture de votre livre indique il est indispensable de repenser un humanitaire en synergie avec les mouvements sociaux et indigènes afin de contribuer à revitaliser la notion de progrès dans une logique d'émancipation, de justice sociale et du commun. Comment? Alors comment ben, voilà, ça implique déjà une prise de conscience. Je pense que la première étape, c'est que les ONG humanitaires prennent conscience de l'influence qu'a sur elles le mode de pensée néolibéral. Et une fois qu'elles auront réalisé cette prise de conscience, elles seront, j'espère, mieux à même d'entrer dans une logique un petit peu plus conflictuel avec le système néolibéral. Donc, voilà, questionner telle ou telle politique, participer, voilà, en quelque sorte à un mouvement d'éducation populaire hein, pour que les ONG puissent jouer un rôle sur la dénonciation de ces politiques, notamment. Et puis, je pense que un élément important, effectivement, c'est un rapprochement avec les mouvements sociaux dans les pays où les ONG humanitaires sont présentes. Alors, je dis pas que tout ça va se faire simplement, hein, puisque bon, voilà, il y a un tel cloisonnement entre les ONG humanitaires d'un côté et les mouvements sociaux de l'autre. Cloisonnement, voilà, qui trouve, à mon avis, hein, ses origines dans cette rupture qui a eu lieu au début des années 1980, donc au moment de la fracture entre sans-frontiérisme et tiers-mondisme. Voilà, je pense que maintenant, il serait temps de réduire cette fracture et de travailler ensemble en complémentarité et pas de manière cloisonnée. Ce qui impliquera, voilà, pour les ONG humanitaires concernées, voilà, une prise de conscience, une remise en question, et puis peut-être qu'il faudra qu'en interne, elle se fasse un petit peu violence. Toujours dans la quatrième de couverture, vous indiquez son glissement vers un humanitarisme, pardon, néolibéral satisfait de lui-même, résultat d'une absence de regard critique sur sa propre doctrine, le rend toujours plus impuissant face à un système que rien ne semble pouvoir arrêter. Oui, alors bah, ça nous ramène à ce que nous disions un petit peu plus tôt sur les principes humanitaires. Hein. Voilà, quand je parle de doctrine humanitaire, voilà, c'est cette doctrine donc, qui tourne autour des principes humanitaires. Je pense que les ONG humanitaires aujourd'hui ont une vision trop dogmatique de ces principes, voilà, et qu'ils sont devenus en quelque sorte un facteur d'inertie. Donc, voilà, et je fais quelques propositions dans le livre. Je pense qu'il faut questionner ces principes, éventuellement en proposer d'autres. Parce qu'aujourd'hui, voilà, un principe comme la neutralité, par exemple, voilà, peut nous mettre en difficulté face au coup de butoir du système néolibéral. Il faut que les ONG humanitaires puissent, voilà, avoir un avis sur telle ou telle politique, sur tel ou tel excès et faire des contre-propositions. Et voilà, tant qu'elles resteront enfermées dans une lecture très dogmatique de ces principes humanitaires,
l'humanitaire dérivera vers un humanitarisme. Et là, j'emprunte le terme à Ronnie Broman. Hein, c'est Ronnie Broman qui parlait de l'humanitarisme il y a déjà quelques années. Et je lui accole le qualificatif néolibéral, puisque voilà, cet humanitarisme empêche en quelque sorte de porter un regard critique sur le néolibéralisme. Et en retour, le néolibéralisme eh bien, imprègne toujours un petit peu plus le secteur humanitaire. Et c'est comme ça que je façonne le terme d'humanitarisme néolibéral. Donc je pense qu'il faut en sortir. Nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Il vous reste les mots de la fin. Donc vous avez quelques minutes pour vous libérer de toute contrainte. Alors, pour le mot de la fin, ce que je pourrais dire, voilà, avec ce livre, hein, j'ai vraiment essayé de montrer un petit peu la réalité de ce qu'est l'aide humanitaire et de la réalité de son rapport au néolibéralisme, voilà, qu'on ne réalise pas forcément toujours lorsqu'on travaille dans le secteur humanitaire. Donc c'est un livre aussi bien pour les acteurs du secteur humanitaire que pour les citoyens et les citoyennes, pour le grand public. Voilà, je pense que l'humanitaire doit se réinventer pour voilà, mieux aborder les combats qui sont devant nous, à une époque voilà, malheureusement assez sombre en termes de perspective, et une fois encore, vu son poids humain, financier, réputationnel, l'humanitaire peut jouer un rôle dans la bataille contre l'hégémonie culturelle du néolibéralisme. Et voilà, donc j'invite les ONG à revisiter leur doctrine et à considérer des nouveaux positionnements face au système qu'elles connaissent bien, puisque voilà, elles sont tous les jours confrontées aux conséquences et aux méfaits de ce système néolibéral. Merci Bertrand. Je rappelle le Merci, titre de Julien. votre livre, L'humanitaire sous l'emprise du néolibéralisme, publié par les éditions Charles-Léopold Meyer. À bientôt. Merci, à bientôt. Thank you.